en ayant à disposition un outil qui permet à nos clients, bien en amont, de préparer leur visite à Cannes. On espère leur faire gagner du temps et de l'efficacité lorsqu'ils seront dans la ville de Cannes, de façon à ce qu'ils puissent profiter au mieux de tous les salons que nous mettons à disposition. Écoutez, je trouve que de ce que j'ai pu voir de l'annuaire aujourd'hui, il me semble très exhaustif, peut-être même trop exhaustif pour certains de nos participants. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on peut le configurer, le paramétrer, ce qu'on va faire, puisque c'est vrai que je pense que c'est intéressant pour nous d'essayer de ne pas noyer les festivaliers et donc de vraiment mettre en avant les services que la plupart d'entre eux auront besoin de trouver. En ce qui concerne les offres des commerçants, ce qui nous intéresse, nous, c'est de travailler en amont avec la Chambre de commerce pour établir justement une liste d'offres qui seront adaptées à nos festivaliers et qui feront en sorte que ces offres-là soient vraiment utilisées. Alors la plateforme apportera aux équipes déjà une facilité technique puisque sur votre support, on va pouvoir nous se relier de façon à pouvoir relier les offres également sur l'application CannesUrs. Donc c'est vrai que l'avantage quelque part, c'est que vous avez cette convergence vers les différents prestataires et commerces cannois et vous relayez justement l'ensemble des offres. On va pouvoir aussi s'appuyer sur ces offres pour pouvoir aussi à notre niveau les relayer auprès des clients. Nous imaginons relayer les informations annuaires et offres en mettant en place d'une part un lien internet de site à site sur notre page Info Pratique avec le logo Can I Get et une présentation du contenu de l'annuaire. Sachant que la page Info Pratique de notre site est très visitée, notamment dans une démarche de préparation de visite en amont que nous encourageons évidemment. Notre relation entre le festival et le marché du film et la chambre de commerce de Nice est une très très grande et longue aventure puisque ça fait des années qu'on utilise les services de la chambre de commerce, que ce soit l'aéroport, le port et les autres services que vous proposez. Alors on est ravis que ce soit la chambre de commerce qui ait eu cette initiative et évidemment on l'encourage non seulement à faire évoluer ce service, à le développer, mais même à avoir d'autres initiatives aussi brillantes.